Le gisement de pétrole de Kashagan au Kazakhstan livre ses premiers barils avec plus de 8 ans de retard. Cette installation située en mer Caspienne, estimée il y a 10 ans à 10 milliards de dollars, a en réalité coûté près de 50 milliards pour la première phase de construction uniquement. Explication de cet analyste. Beaucoup d'argent a déjà été dépensé, donc pour un retour sur investissement, les compagnies devront garder la production de pétrole sans investir trop pour maintenir le développement au niveau actuel, c'est-à-dire quelques 400 000 barils par jour, durant 10 à 12 ans au moins. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront enfin engranger des bénéfices. Ce site, découvert en juillet 2000, a une réserve potentielle de 38 milliards de barils, dont 13 récupérables. Mais le projet s'est avéré d'une grande complexité en raison notamment de la profondeur. La mer Caspienne est gelée une partie de l'année, mais à terme, la production de Kashagan pourrait atteindre 1,5 million de barils par jour.